Je sais pas. Tu veux que je me trouve, c'est ça? Merci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est agréable de dire quand on prend soin de soi? Mireille, c'est pas bon. Tu as bien porté de l'eau tout à l'heure. Oui, merci. Mais bon, c'est le délire des comment on appelle ça, des subventions européennes, et puis voilà, quoi. C'est pour ça qu'ils sont dans la merde. Hein. Pourquoi je mets un toit? Moi j'en ai mis un moi aussi. Mais ouais, parce qu'un truc 3, tu vois, c'est tout. Ouais, je l'ai plus là. Des papiers pour aller. Je sais pas. C'est toujours pas. Comme ça, c'est si elle est foutue, tout à la tête. Hein? Ouais, ah ben, on va commencer par les rochers, on a fait une très bien reçue. Hein. Ah oui, c'est ça, en fait, alors, je vais quand même, faut quand même que je sois honnête, ça c'est un truc que j'avais fait avec K.O. Celui avec les gros rochers devant, ouais. C'est la vers Saint-Jean. Bah c'est, oui, on était ensemble. Toi, tu n'y étais pas. Avec K.O., non? Non, alors c'est après. Mais non, mais tu nous l'avais pour aussi. Mais je vous l'avais montré. On l'a fait. Oui, on l'a fait. On l'a fait. Et puis après, on a fait. Ouais. Bon, il faut quand même que je sois. Je vous dis ce que je fais quand même, parce que. Hein, si je vous dis que je crée, je fais ça tout seul, non, des fois. Maintenant, oui. Maintenant, c'est moi tout seul. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est marrant ça, finalement. Allez, on n'a pas besoin. Là, on a besoin. Oui, parce que tu as mis ta montagne basse. Voilà, voilà. Je peux faire un beau ciel. Voilà. Donc on le laisse faire. Hein. Hop. Là, je n'ai pas beaucoup de ciel, hein. Je ne vais pas m'embêter. Il faut que ça reste un ciel, là. Bon, faut pas qu'il soit, faut pas que ce soit un ciel bleu. Pinceau magique, c'est celui qui m'arrange le mieux. Tu fais un stage à Saint-Denis, hein? Tu étais à Saint-Denis, non? Ouais. Ah oui? Tu n'as pas pu t'inscrire? Si, mais bon, pour une journée, je trouve, mais bon. Non, mais tu as raison. Ah ouais, ça vaut pas le coup. Surtout qu'en plus,
c'était nombreuse. Oh ben, et là, j'avais dit pas plus de 12. Et du coup, elle a eu plus d'une trentaine de demandes. Donc, du coup, j'ai dit, bah écoute, tu fais comme tu le sens, mais non, mais pas trop quand même. Ouais. Parce que après. Ah oui, 30 personnes, ça fait trop de temps. Alors donc, logiquement, on doit être 14, 15. J'ai dit 15 maxi. Parce que après tu peux pas. Et après, il y en a un autre à Muriage, si tu veux. Ah oui, d'accord. Au mois d'avril. Ah oui, bien. Là, deux jours. D'accord. Chez. Non, chez. Martine. Bah, chez Martine, oui. Ah oui, d'accord. Hein? Deux jours, c'est mieux. Puis déjà, c'est. Elles te connaissent déjà. Oui, elles me connaissent, et puis. Enfin bon, celle qui vient chez Martine. Il y a. Je crois que j'ai dit 15, pas plus non plus, parce que après. Ouais, c'est Martine. T'as ses coordonnées ? Oui, oui. Mais là, c'est un vrai stage. Oui, voilà, oui. Que à Saint-Imier, bon. Oui, non, c'est pour ça que je n'ai pas fait à Saint-Imier. Ben, si tu veux, Saint-Imier, le système est un peu différent. Donc, c'est pour ça que. C'est ta route qui va bloquer, alors ? Non, c'est le rocher. Ah, c'est le rocher. Oui, je fais un rappel. D'accord. Hein? Voilà. Donc ça, c'est le fond. Faut profiter de l'eau pour créer ces fondus. Alors le papier de l'union, hein, c'est du velin, il est parfait. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut créer des choses très douces, comme ça. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire sur d'autres papiers qu'on fait avec le. Bon, après, il y a autre chose. Il y a des choses qu'on fait sur du papier qu'on n'arrive pas à faire avec celui-là. Sa femme a dû l'appeler. Quoi donc ? Surtout, vous faites parcelle par parcelle. Et c'est comme ça qu'on a mal aux os. C'est ça. Alors, mais vous pouvez le faire comme ça. Moi, je n'ai pas d'inconvénient. Mais on lutte, hein, on y arrive. Mais c'est vrai qu'après, ça devient vite statique. Ah oui. Ça manque de vie, ça manque de. C'est là le problème. Ah ben voilà, c'est bien. On y arrive. C'est qui ça ? Oh là là ! Oh, c'est un rouge ! Comment il s'appelle ? C'est le camion. Rouge clair. Ça ressemble à un camion. Oui, alors, il ne vend plus le vermillon. Ah bon ? Ah ben, c'était toxique. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a l'arsenic là. Il y en a qui Il n'y a pas longtemps que je fais ça. C'est trop beau, ça. C'est un cours sérieux, mais pas sérieux. De quoi donc ? Je dis là, c'est un cours sérieux, mais on rit. Oui, bah ouais, on n'a pas non plus. Je suis pas payé pour ça, donc. T'es pas payé du tout. Je suis même pas payé du tout, donc c'est pour ça. J'ai pas envie de vous prendre la tête, et puis moi j'ai pas envie non plus de me prendre la tête. Quand je fais un stage, effectivement, bah après, j'essaie d'être plus sérieux. C'est dur quand même. Hein. Oh, c'est pas plus sérieux, c'est pas vrai. Non, c'est pas plus sérieux. Exact.
T'as acheté des petits pinceaux? Ah, j'ai vu ce matin chez Planeta, ils en ont plein en ce moment de ceux-là. Pas tout à fait les mêmes, mais ceux que vous achetez maintenant. Il y en a plein de ceux-là. Des neufs qui ne sont pas tendus? Oui, non. On les veut comme ça, nous, dans cet état. Ah, pourquoi? Parce que les autres, ils ne vous plaisent pas? Non, mais ils sont pas. Non, mais tu l'as fait. Ils sont faits, ceux-là. Ouais, ben ils ont bien travaillé. Non, mais les pointes, ta pointe est plus fine. Ah oui, mais attends, il a déjà 7 ans. Hein. Ah oui, ben si, je t'en montre. Ça, c'est une 9, tu vois. Le poil, c'est celui-là, c'est le même. C'est le même. Oui, mais la preuve, c'est qu'il en sert bien. Si, si, je m'en sers, mais petit à petit. Ah, mais là, il est encore plus formé. Il a du boulot encore, celui-là. Je suis bien maintenant. Tu l'as acheté hier, celui-là, qui est fin. Oh non, celui-ci m'a été offert par Caro il y a 2 ans. Mais il est hyper. Il est tout fait. Il est touffu, c'est vrai. Oui, mais il était comme ça. Ah, hein, oui, c'est vrai. Hein. On aime bien comme ça. Il était tellement touffu, regarde. Que petit à petit, le machin, il n'y avait plus. Il y avait pas. Ah, oui, on a fait des choses. Ça fait combien un vrai temps? On en apprend des choses, hein. Avec Dido. Mais c'est ce qui manque quand tu n'es pas là. Ben ouais. Tu savais tout ce qu'on dit quand t'es pas là. Bon, mais non, c'est qu'on n'a pas toutes ces petites choses. Il vaut mieux que je sois pas là, hein, parce que. Non, vaut mieux que tu sois là. Je dois en entendre. Je dois en entendre. Non, mais on rigole pas quand t'es pas là. Tu répètes tout, hein, Étienne. Non, non. Mais on rigole pas quand t'es pas là. Et en fait, ça dépend les tables. Il fait à l'un, quoi. C'est lui qui se met là. Il fait à l'un et à l'autre. Oui. J'ai envie de le mettre. Ouais, pour faire une petite variation. Oui. Une petite variation, c'est comment là? C'est bon? Allez, hop là. Faut pas en refaire ça. Hein. Je me suis baissée. Ah ouais. Je te montrerai ce que ça fait. Tu couperas alors. Ouais, je couperai. Oui. Oh, c'est pas bien, hein, ça. Putain, putain, puis c'est pas. Alors là, j'ai pris mon petit pinceau quand même. Hein, pour que tu puisses travailler un peu. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait celui-ci, là, mais je regarde pas parce qu'il me plaît pas. Ça t'entend bien, il est pas. Si, si, si. De toute façon, tu ne regardes jamais ce que tu as déjà fait. Mais non, parce qu'une aquarelle, jamais on fait la même. Ouais. C'est difficile de copier. De copier une aquarelle, celui qui est capable de copier une aquarelle, chapeau. Ouais. Pour l'instant, c'est le seul médium qui est presque. Aléatoire. C'est pas aléatoire, c'est simplement ça. Un copier. Donc il n'y a pas de faux. Ouais. Tu peux pas avoir de faux. Attends. Mmh. Ah oui, entre, je suis bien d'accord. Ou tu fais une photo, puis là tu arrives à faire restituer l'aquarelle, mais autrement tu peux pas. Puis encore. Ouais, parce que c'est l'eau, le papier. Ah ouais, ouais. La température. Oui, exactement. Puis entre le temps, le moment où. Entre le moment où. Où tu poses le pigment. Putain. C'est bien de se faire plaisir. Oui, alors, le fameux rouge, là, qu'on a, là, c'est du rouge camélien du clair, c'est l'équivalent, justement, du vermillon. Alors, le vermillon, on a toujours dit que c'était une couleur, effectivement, c'est une couleur qui était dangereuse. C'est pour ça qu'ils l'ont supprimé. Il y a encore quelques-uns qui le font. Ah, moi, j'ai vu, hein? Oui, j'ai vu. Oui, non, mais je suis pas étonné, hein, parce qu'il y en a qui le... Il y en a encore qui le... Mais il est dangereux... Parce que je te dis, il y a l'arsenic. Oui, mais tu l'as bien. Ah bah si tu veux, tu t'en as qui veulent mettre à la bouche. Tu as vu, toutes les normes européennes de sécurité des grands enfants hein, qui font ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui
y a du miel dans le... Du quoi? Du miel. Oui. Oula. Alors, le miel, il sert à quoi? C'est pour sourd. D'après vous, à quoi il sert le miel? À être sucré. Il y a du miel dans quoi? Dans l'aquarelle. Dans l'aquarelle. C'est pour sécher du miel. Un liant, non? C'est un liant, mais il n'y a pas que ça. Je suis allée voir l'expo Collier, il utilise du miel pour... Ouais. Après, c'est une technique. Ouais, mais si le miel, il est là-dedans. Hein. Oui, il est dans vos tubes. Oui. Hein. Maintenant, on fait un sommelier qui vous vend de l'aquarelle au miel. Carrément. C'est pour ça qu'il y a des aquarelles qui cristallisent. Et de l'aquarelle bio, ouais. C'est pas que ça cristallise. Enfin, c'est ça cristallise si tu veux. C'est la paraffine. Ouais, un petit peu. Il y a un petit peu de paraffine. Le miel, il est utilisé à quoi? C'est qu'il donne de la brillance. Ça fait une petite patine. C'est pour ça qu'on met du miel. Alors, sommelier maintenant balance l'aquarelle. Donc ça approche plus à la miel. Au miel. Alors, c'est pour. C'est pour. Ça justifie le prix. C'est pour faire bio. Mais là-dedans, déjà, il y en a du miel. Tu peux goûter? Écoute, tu veux du vermillon? Je te prépare du vermillon au miel. D'accord, tu ne verras pas longtemps. Attends que la saison. Les cailloux. Là, il faut. Et cherchez pas d'abord. Il faut d'abord chercher. Il faut quand même que je vous laisse faire travailler quand même, parce que vous êtes pas là pour venir, pour apprendre le chemin. Hein. Alors. Pour apprendre le chemin et après, on va commencer à être plus sérieux. Les femmes, c'est connu, ils pensent à vous. Demandez aux messieurs. Ils sont pas vraiment minoritaires. Oui, oui, d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as appelé, je crois que c'était lui, parce qu'il est toujours, en avance. Et vous avez la nouvelle. Ah oui, aussi. Vous avez la nouvelle. Vous pouvez voir après, il n'y a pas de temps. Bon, alors, petit à petit, ça vient. Alors, il est un peu plus long que les autres, hein, parce que là, on a un petit peu de construction à faire. La neige, c'est super. Oh, purée, avec ma voiture, je m'occupe des oiseaux. Et la neige, beaucoup aussi. En Ardèche, oui. Dans le sud? Non, près de... Tournon. Ah, dans la vallée du Rhône, oui. Ils ont beaucoup de neige? Oui, oui. Elle n'a pas pu partir. La voiture est partie sur le côté. Oui. Bah, la seule contente qu'il y a de la neige. Il faut voir le chemin qu'il y a aussi. Étienne, tu couperas le morceau. Tu couperas le sang. Il faut voir le chemin qu'il y a là. C'est ça que je me marre après. Parce que quand je regarde, quand je vois... Moi, j'entends pas, mais alors... Quand je regarde la vidéo après, je dis... Oh, qu'est-ce qu'on raconte dans la vallée du Rhône? Monsieur Michel, qui m'a vu. J'ai failli acheter la même maison. C'est vrai. Non, là, elle me faisait envie. Okay. La maison de ma fille. Dans l'Ardèche. Celle-là. Oh, mais là, un monastère où elle est vide. C'est bien. Maintenant, ça transforme encore. Oui, je passe dans l'appartement. J'ai deux murs dans la maison au chaud. Sur des magasins de déco, oui, il y a les gens. Comme de l'argent et du goût, voilà. Ou en ce moment.
Ce qu'on achetait il y a longtemps en Ardèche, c'était bien, mais non. Et puis il faut en trouver, hein, en Ardèche. Ça va commencer à être un peu hard, hein. Ouais. Je crois que les Anglais revendent. Hein, hein. Les prix. Ouais, mais quand tu revends, tu revends pas à perte. Hein. Mmh. Oh, ouais. J'aime pas cette couleur. Saint-Jean-du-Gard, c'est pas l'Ardèche, mais c'est joli aussi. Hein. Oui. Ah, mais ça, c'est joli. Ah non, mais c'est pas superbe, par là. Hein. Ouais, c'est pas vraiment l'Ardèche que ce soit. Oui, c'est vrai depuis longtemps. Bon, alors, voilà les premières faces. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et on va humidifier un petit peu, ruminer. Et Titi. Ah bah là c'est Titi. Hein. Là c'est Titi. C'est Titi, Titi couleur. Titi couleur. Titi couleur. Titi couleur. Hop là. Allez. Ruminer. Développe ton sein. Je me crois. Tu te déplaces. Oui. Je m'en fous. Mais il faut qu'on sache. Alors ça c'est un petit verre. Et pour ça c'est le verre émeraude ou le verre phtalo. Ah oui. C'est le même ou l'émeraude ou pas? C'est très proche. Hein. C'est très très proche. Moi le mien il se granule. Vous voulez? Bah c'est de mauvaise qualité. Non, c'est parce qu'il y a du miel qui est granule. Hein. Un petit verre chaud. Toujours plus chaud. Ah, il n'est pas chaud là. Toujours plus chaud. Et ça, c'est terre de ciel. Et vous, oui, terre de ciel. On fait tous les verres qu'on veut. Je veux le foncé. Un petit peu de. Terre de ciel. Terre de ciel mauvais. Hop, encore un petit terre de ciel. Hop, allez. Un autre. Je veux le salir encore. Hop. Il n'y a plus transparent. Je suis toujours vert et il est toujours transparent. Mmh. Les verres sont toujours transparentes. Mmh. D'accord. Tiens, allez, j'en mets là. Je suis au bif. Hein. Presque. C'est mon nom, je suis au bif. Ça fait pas pareil. Hein. Oh, j'ai encore du verre. Ah oui, c'est bien. Une photo. Et mon verre, il est en harmonie avec tout ça. J'ai utilisé les mêmes couleurs que celle-ci. T'as rajouté du turquoise. Hein? T'as mis un peu de vert là. Quand même. C'est le vert phtalo, mais c'est une couleur transparente. Mais je l'ai mélangé avec des couleurs que j'ai utilisées déjà précédemment. D'accord. C'est pareil, le vert phtalo et le vert émeraude, c'est la. Ah bon, il me semble qu'il est plus. C'est le même. Clair, il est en cadet. C'est une couleur transparente, donc t'as pas. Hein. Alors si je veux le foncer, hop, un petit coup de bleu phtalo. Outre-mer. Phtalo. Celui-là c'est. Ah oui. Outre-mer. Phtalo. Pardon, bleu phtalo. Phtalo, c'est plus quoi le nom de phtalo? C'est une couleur teinte, c'est une couleur transparente, et c'est une couleur qui est un peu verdasse. Si je veux mettre, hein. Que ce soit sec. Ah oui, toujours. C'est pas sec là, si. Si, c'est sec. Déjà. Non, c'est pas sec. Avant, oui, je vous le dis. J'ai dit tout juste, quoi.
Ça se mélange bien. Il raconte n'importe quoi. Hein, tu vois Hop là. Bon. Là, je fais n'importe quoi. C'est pour vous montrer la nuance des couleurs. Hein. Si je veux... Regardez. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Hop. Je vais attendre. Tiens, je vais mettre là. Et ça va venir tout seul. Je sais que ça part, je sais que c'est parti. Je touche plus. Mais là, là tout à l'heure, ah ben c'est déjà assez. Là, t'as enlevé quand même, ça pas mis que de l'eau aussi. Là, t'as enlevé. Si, si, non, 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 c'est ah, de l'eau. C'est que de l'eau. C'est une tu vas voir, c'est une tache d'eau. Si là, je veux faire ça, je conduis ma tache d'eau, et voilà. Là, une tache. Je veux faire. Là, j'ai de l'eau pure. Dans l'humidité. Et ça éclaircit. Bien. Toc. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau. Bon, là c'est déjà sec, alors c'est mauvais. Hein? Tiens, on est. Oh, puis je vais le salir. Hop là. Déjà, on commence à voir des choses là-dedans. Hein? Hop. Varier. Sans trop varier. Mais toujours avec les mêmes couleurs. À partir de là, on est sûr d'être en harmonie avec tout ce qu'on fait. Hein? Problème des couleurs teintes. Si vous utilisez des couleurs teintes, ce que j'appelle les couleurs teintes, c'est des couleurs fabriquées. On va aller chez... chez Windsor, on va prendre un vert Windsor bleu, un vert Windsor vert. Ben là, on part dans un délire complètement fou. Hein? Là, je m'en fous, je suis toujours avec les couleurs. J'ai envie d'échanger les couleurs. Bien, hop là. Mais moi, je travaille même avec. J'arrive pas trop à gérer toutes les couleurs, je travaille même avec moins de couleurs que toi. Oui, mais c'est possible. Parce que je préfère créer que. Mais bien sûr, mais moi je crée, mais si tu veux, toutes ces couleurs-là, elles se marient bien ensemble. Oui, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour toi, c'est sûr. Tu vois, là, hop. Moi, j'ai trop de couleurs, j'ai du mal. Oh là, tiens. Hop là. Oh là, allez, on va arrêter de faire le pic. Si j'ai mis du papier. Alors, l'avantage d'avoir ça, c'est que là, les couleurs, on les a toujours. Hein? Des fois, je vois des petits machins, des bidules, puis il n'y en a plus. En fait, d'autres. Ça, à la fin de la journée, je prends tout et je fais mes ombres. En harmonie. Complète. D'accord ? Non. Mais encore pour tout. C'est pour mettre en application. Allez. On est parti. Ah, vous allez me dire, mais il a mis des choses dessous, ça sert à rien. Oui, ça fait un peu peur. Hein? Allez, si. Tu vas voir que ça sert. Ça sert parce que ça va uniformiser. Voilà, ça c'est sale, c'est bien. Ça d'abord parce que ça on a le temps de travailler après. Donc, si vous faites avoir pour ça, on aura le temps de se rattraper là. Si là vous faites avoir, on fera encore plus loin. Donc, on va partir. D'accord. C'est l'église qu'on va voir. C'est le toit de l'église que j'ai commencé. Et. Bon, je pense en dehors.
Fernande, tu vois. Allez où, Fernande? Je l'ai Tu vois, regarde. Oui, oui, oui. Ouais. Hein, bleu outre-mer. D'accord. Ah, c'est bleu outre-mer. Et terre de ciel. Terre de ciel, c'est presque noir. C'est pas noir, hein. Ouais. Mais presque. Mais c'est vrai. En plus, que... c'est très joli comme couleur. Le et gris, l'avantage, c'est que c'est transparent. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est transparent, que là, si tu peux démarrer comme ça, c'est pas gênant, tu sais que ça va être ça. S'il n'y avait rien dessous, ce serait plus transparent. Ben disons que tu aurais des blancs. Là, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc. Je veux pas de blanc. Non, je veux du jaune. Là, c'est ça aussi. Non, le gros problème qu'on a, c'est qu'on ne se projette jamais assez sur rendu parce qu'on ne sait pas. Dit qu'il ne fallait pas trop réfléchir. Ah, bah, si, quand même. Ben là, il réfléchit parce qu'il. Je ne suis pas honnête. Mais là, non, oui. Ouais. En général, il conserve 30% de tout ce qu'il connaît. Il ne nous dit pas tout. Ah, oui. Oh, bah j'ai des petites choses que je garde quand même. Hein. Il ne nous dit pas tout. Mais pourtant, on voit. On devrait deviner. On voit tout. Non, mais de toute façon. Radio Bistro. Radio à quoi? À chaque fois, on viendra avec. Radio à l'eau. Un mélange de. Ah, bah on peut autrement. Le problème, c'est que même quand on sait, on ne fait pas forcément. Bah oui, j'ai beau vous le dire, vous faites non, pas. Non, mais c'est vrai, c'est comme à l'école, on a pas. Faut savoir ce que vous voulez, hein. C'est ça, hein. C'est qu'on oublie aussi. Oui. Là, je me pose pas de questions. Ça vient comme ça vient. Pour faire ce couleur foncé, c'est terre d'océan brûlé et outre-mer. Ok, merci. Il me semblait, mais j'ai des questions. Et plus tu veux foncer, plus tu veux mettre l'outre-mer. Si tu veux vraiment frusser, je vais te montrer. Bah, voilà, je vais te montrer. Là, si tu rajoutes une j'ai rouge, une semi-opaque. Hein, semi-transparente ou semi-opaque. Parce que tu n'as pratiquement que d'outre-mer. Ouais. Transparent. C'est de la terre, c'est de la terre brûlée. Ça fait noir. Ça fait un noir. Mais c'est un noir qui va être transparent. Oui. Je veux le foncer. Je vais partir sur un cambium. Ah oui, ça pourrait là, tu vas. Là, je vais prendre ce rouge-là. Et là, vous allez voir. Ça va être un peu noir. Ça va faire violet foncé, non? Là, ça va faire une espèce de pataquès. Ah, oui, oui. Hein, et il en va. Ah oui, alors là, ça va. Voilà. C'est là où il faut être très prudent. Parce que vous pouvez le faire. Il vaut mieux qu'on essaye. Avec parcimonie. Exactement. Hein. Avec parcimonie, parce que là, quand on a fait ça, on ne peut plus revenir. Tu peux pas passer dans la baignoire. Non, oui. Oh, puis là, j'ai envie d'en mettre en plus. Oh, puis tiens. Oh là là. Oh non, c'est trop. Ça, c'est comme quand ça va couper dans les jardins. Alors là, je vais attendre que ça soit un petit peu sec. Mais tu devrais en mettre un peu de ce côté. Non, pas pour l'instant. Ce rouge, c'est un camion. Fais gaffe, parce que je. Hein, la dernière fois. Et t'as écouté. Je me suis fait. J'ai fait le trou. Après, je me suis fait engueuler, hein, parce que j'avais fait. Hein. T'as dit que Alain, ma foi. Tes deux rouges, le premier, c'est un cadmium foncé, le deuxième, un cadmium clair. Ouais. Bah, c'est pour avoir des marrons. Plus. Tu veux faire des marrons en plus. Bah, ça, ça me sert surtout à faire des roues. Et toi Ça me sert surtout à foncer, ou alors. Mais là, les arines aussi, ça fonce. Oui. Non. Pas trop. Les arines, elle est semi-transparente. Oui, mais quand même, je trouve que quand c'est on met les deux, c'est un puis ça donne un côté rosé. Ouais. Que là, je veux dire, t'as vu, c'est un noir. Hein. Oui, non. Moi, t'as pas besoin de noir. Hein. Comme ça, oui. Là, on n'a pas besoin de gris. De gris. De peine. Oui, de gris de peine, par exemple. On n'a pas besoin. Oui, il est plus transparent. Hein? Le peine, il est opaque. Et puis en plus de ça, il disparaît. Il terne. Très terne. Il ternit les. Moi au départ, je me souviens, avec Catherine, je mettais du gris de peine et puis alors le bleu indigo. J'étais fanat d'indigo. Ben oui. Tu te souviens hein? J'en mettais partout de l'indigo. Moi, j'en achetais plein. Putain, quand j'arrivais à la fin, je me disais, tiens, mais qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que c'est gris? Ouais. Bah, c'était l'indigo qui est ça. Maintenant, je fais mes indigos. C'est moi qui les fais. Je sais qu'il ne bouge pas. Avec qui tu les fais alors? Ben, l'indigo, tu le fais avec un bleu comme ça, tu le fais avec ça. Et puis après, tu rajoutes un tout petit peu de ça. Okay. Un petit peu de ça, si tu veux. Ça dépend, tu veux donner la. Non mais. De la cuisine. Au départ, c'est le bleu. Et après, tu rajoutes ça. C'est ce qu'on appelle les tons rompus. C'est-à-dire, c'est des mélanges de couleurs
qui te font des gris. Alors tu peux avoir des gris rouges, des gris gris, des gris verts, des gris bleus. Ouais, c'est toi qui fais tes couleurs. Oui, alors moi les gris, j'ai fait avec les trois couleurs. Oui, oui, tu peux les faire avec les trois couleurs, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est des gris doux. C'est des gris doux. Pas de tombe de gris. Oui, c'est vrai. Ah, tu fais avant que ça soit sec? Oui. C'est ce qu'on m'a loupé la semaine dernière. Mais il n'y a pas de papier. Oui, alors là, il faut faire attention à ne pas agrafer le papier, hein, parce que si on le déchire, on est mal. Hein? Bon, c'est un peu voulu. Mais, regardez ce que j'avais mis dessous. Ben, c'est sûr, si tu enlèves, je suis d'accord, oui. C'était utile. Voilà. Oui. Et quand tout va être fini, et puis prenez pas un petit cutter. On pourrait aussi avoir une petite spatule en bois. Oui, comme tu veux. Il y en a qui font ça, je veux dire, il y en a qui font ça avec des cartes de crédit. Oui, moi je les garde. Mais si tu fais ça avec la tranche de ton machin. Mais là, pour l'école, je m'en sers vachement. Alors, la carte de crédit, le problème, c'est qu'elle est comme elle est ronde dans les coins. Tu peux pas avoir des choses aiguës comme ça. Hein? Bon, les couper aussi. Ah oui, tu peux la couper, si tu veux la couper. Oui, bah c'est vrai, oui. Mais là, c'était rien. Pourquoi tu peux plus retourner tes sous, mais t'as fait. Voilà. D'accord? Oui. Il n'y a que ceux qui étaient là qui en ont profité, les autres, ils n'en profiteront pas. Ah, mais il a tout fini. Non, non, oui, c'est non, ça l'intérêt de la fin. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Surtout, bon, maintenant, je vais la finir quand même, parce qu'il faut quand même la finir. Hein. Mais c'est. Si vous voulez, la semaine prochaine, continuer ou aller chez vous, vous avez vu? Il y a un fond, n'hésitez pas, laissez sécher, et après, avec des couleurs plus puissantes, c'est-à-dire là en l'occurrence, vous vous souvenez ce que j'ai mis. D'accord? Donc là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais que ça, c'est le côté lumière. Donc. Et là, je ne suis pas gêné, hein, sur le côté. Alors, quand ça va foncer, on va se retrouver avec des c'est choses comme ça. C'est pas gênant que ton côté lumière soit à l'opposé de l'église. À l'opposé de l'église. Bah, l'église, elle est sombre. Hein. Oui, parce que. Mais on a des rappels, on va avoir des rappels. Hein. Il y a des bleus là, il y a des bleus là. Le soleil vient sur la droite. Là, je ne l'ai pas fait, effectivement, mais là, j'ai des rappels de teinte. Hein. Oui, ça oui. Et puis là, je vais en faire, t'inquiète pas, mais ce que je voulais, c'était cette façade blanche. Après, là, je vais travailler. Bon, ça va pas beaucoup bouger, mais là-dedans, ma végétation. Mets-toi, je veux qu'ils s'en aillent vraiment loin en bas. Donc, il y en a que je vais presque pas toucher, mais là, je vais renforcer. Je vais le faire, de toute façon. Il est 4h30, c'est bon. C'est pour ça que je voudrais que vous fassiez, vous continuiez. Non, mais il faut que tu attendes, toi. Pardon ? Il faut que tu attendes avant de continuer. Oui, il faut que j'attende. Hein, parce que je veux que vous voyiez le résultat. Hein. Simplement, avec ces mélanges de couleurs. Donc, si je veux. Je ne vais pas vous les imposer. Simplement, je vous dis pourquoi. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi après, chacun fait sa vie. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs stages avec les uns et les autres. Tous les stages sont intéressants. Tous. Hein. Il y a des fois que tu n'entends pas quelque chose et son contraire, non ? Non, ils sont tous complémentaires. D'accord. J'ai fait un stage avec K.O., il m'a appris à regarder. Ça, pour moi, ça a été le déclenchement. Ouais. Après, il y a eu Victoria et Slava Prochetko. Oh là, j'adorerais faire avec elle Victoria. Ouais, c'est très dur, hein. C'est très dur. Mais il faut t'as plusieurs. Ils m'ont apporté certaines choses. Surtout elle, quand même. Ah, hein. Oh, lui aussi. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, oui. J'aime moins. Ah, ouais. Pour les personnages. Génial. Pour les personnages. Hein. Pour les personnages. Et puis il y en a un autre. Après, pour la couleur, c'est Palmer. Voilà. Quand on a fait ces trois stages, K.O., les Prichetko et Palmer, ben, vous avez fait les stages avec tout le monde. Palmer, pourquoi ? Palmer, on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait. Mais à l'inverse, il vous explique les couleurs. Il vous explique le pourquoi des couleurs. Il vous explique ce que vous explique. Voilà. Après, vous pouvez l'exploiter comme vous voulez. Parce que vous avez la base de la couleur. Beaucoup de peintres ne connaissent pas. Ils utilisent les teintes, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond. Alors ils disent, ah, moi je préfère un tel. Oui, ben, c'est bien, mais pourquoi ? Ben parce que je la trouve mieux, bah oui. Mais là, quelle est la
quelle est la vertu de cette de ce pigment. Ouais, ils ne connaissent pas. Tout ce qui se fait dans la peau. C'est le stage à la journée. Oui, attends, le stage couleur, il dure 3, 4, 8 et 3, 11 jours. Oh purée, ça doit être. Mais elle a que le bleu, non? Non, heureusement, tu te prends la tête. Mais bien sûr, Lyon, c'est un belge, Lyon. Oui, c'est un belge.